bienvenue sur Speed Cooking. Aujourd'hui, je prépare une petite crème au carambar, les douceurs de notre enfance, pour se régaler au coin du feu parce qu'il fait pas beau. Une petite douceur bien réconfortante. C'est parti tout de suite pour la recette. On va commencer par mixer nos carambars, le couvercle et le bouchon doseur. 12 secondes, vitesse 6. Hop. Donc on va racler les parois du bol et on va ajouter nos 500 g de lait, nos œufs et la maïzena. On va mettre à cuire pendant 9 minutes à 90 degrés, vitesse 4. Voilà, notre crème est cuite. On ajoute à présent 20 g de crème. Ça sent bon. On va mélanger pendant 10 secondes, vitesse 4. Notre recette est terminée, il ne reste plus qu'à le mettre dans des petits pots et le manger quand il sera bien frais. On a déjà une belle texture et ça va encore raffermir en refroidissant. Voilà, ma recette de crème au carambar est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous, laissez un pouce en l'air et à bientôt sur Speed Cooking.